Puis maintenant, qu'est-ce qu'elle a comme fonction aussi? Qu'est-ce qu'elle a qui est bon, c'est qu'elle n'est pas, hein? Qu'est-ce qu'elle a qu'elle a bon? Deuxième jour de la spéciale rentrée. Vous vous souvenez de lui, notre cher petit Android qui faisait radio, là, Bugdroid, pardon, et qu'on avait testé au calendrier de l'Avent? Eh bien, il revient aujourd'hui parce que nous allons tester ceci. Et dans cette petite boîte, il y a un objet. D'ailleurs, on m'a dit que certaines personnes m'ont dit qu'on n'avait pas le droit d'utiliser ces machins-là en France. Je vois pas bien pourquoi, personnellement. Mais cet objet, mesdames et messieurs, est un émetteur FM à courte portée. Évidemment, hein, vu sa taille, il faudrait s'en douter, qu'on branche sur un smartphone et qui permet, enfin sur un smartphone ou sur n'importe quel appareil qui émet du son via une prise jack d'ailleurs, et qui permet d'émettre ce son sur une fréquence radio. Et donc si vous avez une petite radio ou un autoradio dans votre voiture, vous pouvez diffuser sur les enceintes de cette petite radio ou de votre voiture le son qui sort de votre appareil mobile. Simplement en cherchant sur l'autoradio ou la petite radio la bonne fréquence pour pouvoir entendre le son que vous émettez en fait. Donc, je vais enlever les petites protections, hein, parce que l'objet est plutôt bien protégé. Enfin, en tout cas, au moins d'un côté. Il y a une protection de l'autre côté aussi? Oui. Voilà. Donc on a en face de nous un petit objet design façon un peu iPhone 4, 4S, c'est moyen, hein, la qualité de fabrication. Vous pouvez voir notamment ici que le plastique fait un petit peu n'importe quoi, c'est pas du très très solide. Bon, vu le prix, il fallait s'y attendre un petit peu. Il y a une batterie interne qu'on recharge en micro USB ici. Il y a un petit câble qui est fourni, hein, de qualité assez médiocre d'ailleurs. Et puis un interrupteur on-off. Donc, je vais prendre mon smartphone. Je vais allumer le petit bonhomme Android. Donc il va être en mode radio. Oh putain, j'ai baissé le son. Donc, c'est dans l'autre sens, bordel. Voilà. Et je vais connecter ce petit machin ici. Tac, voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est centré en plus sur mon Galaxy S4. Coup de peau. Et puis on va essayer de transmettre quelque chose. Alors je vais prendre tiens, MX Player par exemple. Voilà, tiens, comme ça j'ai le film du AVGN. Je vais allumer le petit émetteur. Tac. Donc ici, apparemment, il est voilà, il émet sur cette fréquence là. Normalement, j'ai déjà réglé la radio pour qu'elle capte cette fréquence là parce qu'il a un peu de mal à capter les fréquences, ce bidule là. Donc je vais essayer de lire. Et là, le son sort bien ici, hein. Et non pas sur le téléphone, hein, je précise. Bon, la qualité du son, bah, c'est une qualité radio, hein. Donc, l'échantillonnage sur les radios étant plus faible que sur du Bluetooth par exemple, vous n'aurez pas une aussi bonne qualité de son qu'avec une enceinte Bluetooth. Enfin, disons, quand vous avez sous le coup d'une enceinte FM ou un vieil autoradio sur lequel on ne peut pas brancher son smartphone, ça peut être sympa. Ça peut être une bonne solution pour avoir une connectivité sans fil via la FM. Alors, apparemment, il y aurait des histoires de légalité ou pas en France à voir. Sinon, le fonctionnement de l'appareil, lui, il est assez simple, hein. Ici, vous voyez la fréquence et vous voyez les petits boutons ici à gauche. Ça vous permet de changer la fréquence en dixième de mégahertz. Dixième de mégahertz par dixième de mégahertz. Voilà. Donc, non, c'est pas mal. C'est franchement... Ça fait le taf. Ça fonctionne pas mal. Et l'autonomie, en plus, est excellente. C'est tout pour aujourd'hui.